Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 8 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec cette première carte qui m'inspire quoi? Main sur la bouche, couleur feu, c'est chaud. Énergie sexuelle, peut-être. Main sur la bouche. Est-ce qu'on me parle de... Ou main, ici, une caresse, un mouvement tendre sur ton visage. Une caresse. Ça pourrait être aussi une gifle. On pourrait aussi mettre la main sur la bouche dans le sens de... Chut, on ne doit pas en parler. C'est un secret. On pourrait parler aussi d'un sujet chaud. C'est chaud. Continuons, on verra bien. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui était bloqué. Ou on verra bien. Continuons. Oups, ici le jugement. Une carte qui nous parle de quoi? Révélation. Révélation des faits. Ici, couper. Couper quoi? On verra bien. Ici, une personne qui est repliée sur elle-même. Je ne sais pas si on se sent rejeté, abandonné, exclu, ou si on se rejette soi-même, on s'abandonne, on s'isole. Ici, le miroir à l'envers. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui souffre aujourd'hui. Le miroir, je vais l'explorer dans quelques instants. En fait, on pourrait me parler d'une personne qui... a une faible estime de soi, une personne aussi qui peut projeter sur les autres ses comportements pour ne pas les assumer, pour éviter de se responsabiliser. Donc, une personne ici peut pratiquer les projections pour éviter de se responsabiliser. Ici, on nous présente un duo, deux personnes d'un certain âge assises au parc. Et ici, l'image de la pauvreté, l'itinérance, et quelqu'un a peur d'être trahi. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui a le goût d'aller consulter. On a très, très peur. On a peut-être avantage ici à aller consulter. Il y a quelqu'un qui est vraiment très peur parce qu'on était attaché à qui? À un masculin. Un masculin, on me le présente nu. Il y a un lien ici, mais je me sens coincée avec cette carte. On dépend de quelqu'un, on dépend de... Bon, écoutez, on va prendre le temps d'explorer cette histoire. Et rappelez-vous, vous pouvez ajouter votre interprétation attachée à un masculin ici. Je ne sais pas s'il y a un lien avec l'énergie sexuelle, on pourrait voir. On va voir, en tout cas. Donnez-moi une minute. Ça se pourrait. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas en parler. C'est chaud, sujet chaud. Bon, quelqu'un a peur d'être trahi. Ici, le repas, manger quoi? Il y a quelqu'un qui a vraiment très peur. OK. Explorons les images avec des cartes mots. Allons-y avec celle-ci. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé, qui a peur de dire la vérité. OK, allons-y avec cette carte. Pardon. Bon, donc là, il y a quelqu'un qui veut quoi? Se libérer d'un passé, faire la paix, se réconcilier, te demander pardon. On ne pouvait pas en parler. On devait garder un secret. Donc, il y a quelqu'un ici qui souhaite s'excuser. Allons visiter la carte du jugement. Le procès. «
changement. Donc ici, oui, quelqu'un veut se libérer, veut opérer un changement important, reconnaître les faits, la vérité, ce qui est, sortir du mensonge. Donc on veut opérer un changement, se libérer, on veut la paix, on veut la paix. C'est pas compliqué. Allons-y avec la carte du ciseau qui coupe. Ici, ça me fait penser à quoi? Bien, on inaugure quelque chose. On veut réussir, couper. On verra bien le sens qu'on veut donner en cette guidance à cette carte. Couper. Que veux-tu couper? Couper. On veut réussir ici, quelque chose d'après moi. Donnez-moi une minute. Sur le ciseau et le ruban rouge, vous voulez me dire quoi? Ressentiment. Donc là, on est en contact avec l'émotion de la colère. Colère refoulée, non dit. Il y a de la colère ici. Rancune, rancœur. Donc, on pourrait me présenter une personne qui a fait le choix de couper. Couper quoi? Une personne est en colère. On a coupé, on a pris la décision de couper. Continuons. Couper dans le rouge. Couper. Allons-y. Avec la carte qui me présente une personne repliée sur elle-même. Une carte mot. Ici, il y a une personne qui en veut à une autre. Il y a une personne qui veut se faire pardonner. Il y a une personne qui en veut à une autre. De lui avoir caché quelque chose. Oui, c'est ça ici. Une personne en veut à une autre, est en colère parce qu'elle lui a caché quelque chose. Et une personne veut se faire pardonner. Bon, une personne a honte ici, se sent coupable, regrette. Donnez-moi une minute. Coupable. Ici, c'est le jugement aussi, des énergies de culpabilité, des émotions aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent coupable? Est-ce qu'on peut réparer? Bien, si je le vois bien qu'une personne veut se réconcilier, se faire pardonner, on dit ici qu'on ne pouvait pas en parler, on devait garder un secret, on avait peur, on évitait de parler de ça, on verra bien. Peux-tu réparer? Une carte mot pour cette personne qui est repliée sur elle-même, s'il vous plaît. Danger. Donc là, ici, cette personne se sent en danger, s'isole. Il y a un repli, là. Il y a une fermeture. La honte. Se sentir en danger. Allons visiter la carte du miroir. Ici, je rencontre une personne, là, on dirait qu'il y a de la difficulté à faire face à sa réalité actuellement. J'ai comme l'impression qu'on me présente une personne qui a pratiqué le déni, consciemment ou inconsciemment, là, on s'est mis la tête dans le sable. Et on a projeté sur les autres nos comportements pour éviter de ressentir de la culpabilité, un mal-être. Donc, il y a comme une réaction défensive, là. On a eu une réaction défensive. Quelqu'un repoussait ou rejetait ou blâmait l'autre ou culpabilisait une autre personne, projetait ses torts, projetait ses comportements sur une autre pour éviter de se responsabiliser. Allons visiter le miroir à l'envers maintenant. Donner quoi avec le miroir?
Donner. Je te donne le miroir. Donner quoi? Donner. Bon, là, c'est une personne qui, d'après moi, on dirait pour éviter de se sentir coupable. Attendez, c'est une personne qui projette. Donner, donner, attendez une minute. Donner, qu'est-ce que vous voulez me dire? J'ai l'impression qu'on pourrait me présenter une personne qui donne, qui donne, qui donne pour se déculpabiliser. Il y a quelqu'un ici, là, qui pour éviter de... Oh, attendez. Pour éviter de se responsabiliser, de rencontrer en fait la souffrance. Il y a un mal-être en cette guidance. Pour éviter de ressentir la souffrance... Ou pour se déculpabiliser, une personne, je ne sais pas ce qu'elle a fait là, cette personne, mais cette personne s'est mise à donner, 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 donner. Qu'est-ce que ça vous dit? Je vais demander une carte supplémentaire pour ici. Je vais y aller avec une carte jaune. Donnez-moi une minute. Mais le malaise, l'inconfort, l'émotion inconfortable est toujours présente. Je la ressens tout le temps, là. Donc, c'est comme si on avait fui. Il y a une personne qui a fui à sa façon la souffrance qu'elle ressentait. C'est comme si on avait compensé. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donnez-moi une minute. Donner et le miroir à l'envers. Vous voulez me dire quoi? La main. La chance, destinée. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la main? Je te donne une chance. Oups, attendez. OK, là on dit, je te donne une chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Où vas-tu me donner une chance? Une chance de me récupérer. Vas-tu me donner une chance de me récupérer? Il y a quelqu'un ici qui vit un mal-être profond, qui peut se sentir en danger. Vas-tu me donner une chance de me récupérer? Oh, c'est un roi de glace qui est là. Un père de famille. Le chef du clan. Donc ici, il y a un masculin. Je peux rencontrer plusieurs énergies en une guidance, rappelez-vous. Ici, en cette zone, je rencontre une personne qui te demande si tu vas lui donner une chance de se récupérer. C'est un chef, chef de famille, chef de clan. Continuons avec ces deux personnes d'un certain âge. Donc ici, c'est l'entrepreneur, le patron, la tête forte, le chef du clan, du groupe, de la famille, de sang ou non. Vas-tu me donner une chance de me récupérer? Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer. Continuons. Allons visiter ces deux personnes d'un certain âge. Cycle. Donc, ces deux personnes vont se revoir. Elles se rencontrent occasionnellement. C'est cyclique. Deux personnes ici. OK, continuons notre histoire. Où est-ce que j'en suis maintenant? Bon, attendez. Là, il me reste ces cartes. Laquelle aller visiter en premier? On a peur d'être trahi. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi ici. Il y a quelqu'un qui a vraiment très peur. On me présente la carte de la consultation professionnelle de la santé.
Ici, on est lié à quelqu'un, on dirait qu'on n'est pas libre, on est attaché. Ici, j'ai l'impression de rencontrer peut-être une addiction à la sexualité. Et un sentiment d'impuissance. Oui, ici, j'ai vraiment l'impression de perdre ma liberté. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une addiction, une fuite dans le sexe. Et c'est l'énergie d'un masculin. Bon, je vais aller visiter ces deux cartes. Il y a une addiction, on est attaché, on n'est pas libre. C'est une addiction qu'on me présente là. C'est comme si on n'arrivait pas à maîtriser ou à contrôler notre énergie sexuelle. On fuit. J'ai vraiment l'impression ici qu'une personne fuit dans le sexe. Fuit sa réalité. Fuit sa réalité dans le sexe. C'est trop inconfortable. Il y a des émotions trop inconfortables à ressentir. Donc, quand on ressent cette montée d'émotions, on fuit. Vite. On dirait qu'il y a un court-circuit. C'est comme une réaction défensive. C'est comme si on avait peur de ressentir l'émotion. Donc, ici, il y a une fuite. Allons-y avec cet homme. On dirait qu'on est attaché, reculé, reculé, reculé. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Recule, recule-toi. Prends du recul, va dans ta caverne. Prends du recul. On pourrait dire, écoute, quand tu sens là, cet inconfort, cette montée d'émotion là, prends du recul. Comme si on t'encourageait à apprendre la maîtrise de ton énergie sexuelle. Reculer. Va dans ta caverne, va dans ta grotte, va dans la nature, va marcher, va trouve un moyen d'aller te ressourcer. On le sait ici qu'il y a quelqu'un qui fuit et qui n'est pas libre. Ici, là, on est prisonnier, prisonnier de quelque chose, c'est l'addiction. On peut avoir aussi besoin d'aide ici, là, un professionnel qui peut nous aider justement à maîtriser. À découvrir, à accueillir, à maîtriser nos émotions, à gérer les émotions, à comprendre l'addiction, le pourquoi de la fuite, à apprendre à s'écouter, à se respecter, à aller en profondeur. Mais il y a énormément de peur ici. Continuons. Allons visiter la carte de l'itinérance. L'image de la pauvreté, pauvre en moyens, dépouillement, une carte de dépouillement. On n'a rien à donner, on n'a plus rien à donner. Il y a quelqu'un ici qui a peur d'être trahi, on dirait. Allons visiter l'itinérant. Ennui. Donc ici, on pourrait me parler de problèmes d'argent. On n'a pas d'argent. On a des problèmes d'argent. On peut s'ennuyer aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? Mais on va dans la nature. On prend des marches. On se nourrit. On se nourrit avec quoi? On va se nourrir avec des choses saines, repas sains. Alimente-toi avec ce qui est sain. La nature, la nature. Continuons. Allons-y avec la carte de la trahison. Donc ici, je rencontre quelqu'un qui a des problèmes d'argent. On s'ennuie, on s'ennuie. Qu'est-ce qu'on peut faire sans argent? Des choses simples. On va marcher dans la nature. Des choses simples. Des petits plaisirs qui sont en fait très, très nourrissants, qui comblent le manque, qui comblent le vide. La nature.
Allons visiter la trahison. Il y a quelqu'un qui a peur. Peur de perdre peut-être. Peur de perdre un pouvoir. Peur de perdre. Peur d'être trahi. Rival. Oui, ici, il y a une compétition dans l'air. Donc, rival, rival. Ici, pour gagner, on a pu chercher à blesser quelqu'un, à faire du mal à quelqu'un, à éliminer quelqu'un pour gagner. Ici, il y a quelqu'un en rivalité. Donc, pour gagner, on essaie de détruire quelqu'un, lui faire du mal. Et cette personne qui a agi ainsi a peur aujourd'hui d'être trahie à son tour. Donc, rival, compétition dans l'air, on rivalise avec quelqu'un, il y a une dualité, on veut gagner, on ne veut pas perdre, et pour arriver à nos fins, on cherche à éliminer la personne qui pourrait gagner. Gagner au jeu. Un jeu de quoi? Un jeu de pouvoir? Un jeu de quoi? Qu'est-ce qu'on a à gagner au juste? Je vais demander une carte. Ce rival et le coup de poignard dans le dos. On nous présente ici une jeune femme. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? La carte qui nous présente la jeunesse, la musique, la mode. Jeune femme, une jolie dame, une jolie femme, jeune femme. Quelle est cette histoire? C'est le cadeau? Le cadeau. Oh, attendez. On aurait volé, vol de cadeau. On aurait volé un cadeau à une jeune femme. La plus jeune. C'est la plus jeune. On a volé le cadeau de la plus jeune. On a volé le cadeau de la plus jeune. Oui, quelque chose qui avait de la valeur. On a volé le cadeau de la plus jeune et pour éviter que ça se découvre, bien on essaie d'éliminer la plus jeune. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. On est parti avec le cadeau. Un cadeau qui avait de la valeur. On a peut-être voyagé avec ça, on s'est acheté des bijoux, on a volé le cadeau de la plus jeune. Humilié. Humilié mère. Une mère humiliée. Nue. Une mère humiliée des voiles. Pour mettre un terme à quelque chose. Stop, peur, elle n'a plus peur. Elle dévoile. Une mère humiliée dévoile. Elle n'a plus peur. Donc ici, en cette zone, il y a quelqu'un qui a peur. Une personne qui t'a fait du mal a peur que tu te venges ou que tu la trahisses. Il y a une mère qui a vécu de l'humiliation, qui n'a plus peur de dévoiler des énergies de destruction. Il y a quelqu'un ici qui a très peur. Mentir. C'est une personne qui a menti. Cette personne a très peur aujourd'hui. Allons visiter le professionnel ici de la santé, la consultation. Vous voulez me dire quoi? Et en même temps, on dirait qu'on ne peut plus. Si on a peur de mentir, on dirait qu'on a quasiment peur aujourd'hui de mentir.
Une personne a très peur parce qu'elle t'a menti et on dirait aussi qu'on a peur de mentir. C'est vraiment inconfortable. Bon, allons-y. Avec la carte du médecin, consultation, vous voulez me dire quoi? Succès. Réussite. On nous présente la relation thérapeutique. On pourrait me présenter aussi une personne qui est dans les soins et qui réussit dans la vie. Qui réussit ou qui a réussi sa vie, qui a réussi dans la vie. Succès. On pourrait aussi penser à la relation thérapeutique. C'est un succès. Sur la carte du repas maintenant, vous voulez me dire quoi? Viol. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Viol et le repas, là, je vais avoir besoin d'aide. Parce que, honnêtement, quand je regarde les mots, ce qui me traverse l'esprit, bien, c'est fais attention à ce que tu manges, surveille ta nourriture, surveille ce que tu bois. Parce qu'ici, on dirait que ça me fait penser à la drogue du viol, ou c'est ça ici, là, en lien avec la nourriture, le breuvage, c'est ça qui me traverse. Mais bon, il y a peut-être une autre façon d'interpréter ces deux cartes, vous pouvez m'aider. Vous pouvez toujours m'aider en les guidances. Je pense que vous connaissez les histoires que je vous raconte. Si je les capte, c'est parce que vous les connaissez. Bon, viol et la nourriture, vous voulez me dire quoi? Viol, c'est un mot qui nous parle d'abus. Il y a peut-être quelqu'un ici aussi qui abuse, qui pourrait fuir dans la nourriture, qui mange. C'est une fuite. On abuse de la nourriture. On fuit nos émotions, on fuit ce que l'on vit dans la nourriture. Ça pourrait être une possibilité. Je vais demander une carte ici. Les lunettes de soleil. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire avec les lunettes de soleil, viol et le repas? Quelqu'un qui te regarde, qui te surveille, qui t'épie. Bien, ici, je pense qu'on te dit, écoute, surveille ce que tu manges. Ici, c'est ça qu'on veut te dire. Surveille ce que tu manges, surveille ton alimentation. C'est l'énergie que j'ai rencontrée. Donc, en cette guidance, il y a quelqu'un qui veut se libérer d'un passé, qui dit, ici, il y a une personne qui ne pouvait pas parler de quelque chose, qui avait peur d'exprimer quelque chose. Donc, il y a quelqu'un qui veut se libérer. Il y a aussi un chef qui se demande si tu vas lui donner une seconde chance. Chef de clan, chef de famille. Ce sont ces énergies que je rencontre. Il y a quelqu'un qui a peur d'être trahi à son tour. Une personne qui t'a trahi, qui a peur d'être trahi à son tour. Allons-y avec une nouvelle carte. Travail. Pour quelle raison me présente-t-on la carte du travail qui nous parle de concentration, passion, diligence, succès et travail d'équipe? C'est la carte qui nous dit qu'une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide. La carte du travail. Je vais vous lire le message et je vais... un contrat de travail. Attendez. Un engagement. Ici, on s'est engagé.
Il y a un travail d'équipe. On a accepté de s'engager. Il y a plusieurs personnes possiblement dans cette guidance. On a décidé de s'engager, de travailler ensemble, de former l'équipe. Mais on le sait très bien qu'il y a quelque chose de malsain qui s'est joué dans cette équipe. On s'est engagé. Donc là ici, limite atteinte, j'ai comme l'impression ici qu'on est en train de nous parler de deux cartes qui me parlent de limite, respect des lois, des règles. Il y a un engagement ici. Travail, on s'est engagé, contrat de travail, travail d'équipe. Ici, police, limite, loi, défilé des gendarmes, justice, règles, il y a des lois. Un engagement ici, on a signé, on a accepté, il y a un contrat ici. On s'engage à respecter les lois, les règles. Il y a quelqu'un ici qui s'engage à respecter. Il y a quelqu'un dans cette guidance qui veut opérer un changement, qui veut se libérer d'un passé. Il y a quelqu'un aussi, il y a un chef qui dit « Vas-tu me donner une seconde chance? » Chef du clan. S'engager à respecter les lois, les règles. Limite. Marcher droit. Donc, il y a quelqu'un en cette guidance qui veut se récupérer, réparer quelque chose. Se délivrer d'un passé. Aller vers un plus grand respect. Je m'engage à te respecter. Ici, justice, à respecter les lois, les règles. Je vais prendre le temps de vous lire le message associé à la carte du travail. La carte 15. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres, seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Alors voilà. On dirait un contrat de travail. Un contrat de travail ici. Loi, justice, entreprise gouvernementale. Ici, on dirait un contrat de travail. Il y a quelqu'un qui pourrait avoir une proposition ici. Et en même temps, j'entends une personne qui veut se libérer d'un passé, qui s'engage à te respecter, à opérer les modifications nécessaires pour aller vers un plus grand respect. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très encourageant, et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!